On s'exprime, on s'exclame, on s'exclave, on s'extasie devant la beauté de notre indignité. Tout piller, tout détruire, on finit même par en rire. Mais le ridicule ne tue pas, non, les coupables n'en meurent pas, non, mais tu. Victime après victime, pour conquérir les territoires, même les plus infimes. Comme lion qui dans sa cage tourne en rond. Des questions par millions. Pourquoi moi, j'ai un toit à la rue, pourquoi toi, de quel droit jette-t-il des bombes sur ton toit? Politiciens ne supportant pas que soutien existe entre toi et moi, surtout si tu viens de loin. Stigmate sur demandeur d'asile, psychotique deviendra sa destinée, tellement l'institution l'a violentée et la thune se hisse à nos frontières. Pour que surtout chacun reste chez soi. Si seulement on pouvait tout arrêter, comme un corps retrouvé inanimé. J'ai le cœur lourd, appelant l'amour, que leur violente haine ne cesse de piétiner. Mauvais enfants de la patrie, pas entendus et pas compris. Des colons et des tyrans votant les lois interdisant de passer frontières et doigts. Être le pays des droits de l'homme, ouais. Ça dédouane. Pays prônant l'égalité, n'oubliez pas la liberté, aussi peu existante que la robe de Marianne. Sauvant le pays seins nus, femme à jamais sexualisée, pour surtout ne pas toucher à leur sainte fraternité. Quand on est étranger en France, c'est la question de se sentir légitime, entre guillemets, d'exister, quoi. Moi, ça fait presque 14 ans que je suis là et pendant une dizaine d'années, j'ai dû renouveler tous les ans mon titre de séjour. Toutes les élections où il y a eu le FN qui était assez fort, bah en fait, tu te dis, tu lis leur programme et tu te dis, putain, mais genre, je suis le premier à dégager, quoi. Tout le temps en danger quand tu jettes, quoi, dehors, quoi. Et pour aller où, en fait, parce que... Je retourne au Chili, mais c'est plus chez moi en fait, c'est ici, c'est chez moi. Je trouve dans un an, je pourrais plus justifier mon existence, donc j'existerai plus, tu vois. Les gens blancs ou à côté, ils comprenaient pas trop l'ampleur du truc, ou ils comprenaient pas trop qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça entraîne pour toutes les personnes qui sont issues des minorités en fait, tu vois. Et aussi un truc d'incompréhension, quoi, de pourquoi on en est encore là en 2024. Je pense que j'ai plus peur maintenant qu'avant. Parce que je sais qu'il y a des gens qui nous détestent. Du coup, le danger est plus présent et il est plus vocal aussi. Enfin, genre maintenant, les racistes, ils se cachent plus, quoi. Tu vis avec cette peur tous les jours, donc en fait, tu peux pas la cacher, tu vas pas l'enfuir, ça fait mal. Enfin, je me suis dit, en fait, le silence n'est pas une option, genre, non.